On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Roch Marc Christian Kabore, and to invite him to address the Assembly. You have the floor, Your Excellency. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, candidat de l'Afrique au poste de président de la 74e session de l'Assemblée générale, vous avez été brillamment élu le 4 juin 2019 dernier et il m'est agréable de vous adresser au nom de ma délégation et au mien propre mes très vives et fraternelles félicitations. Vous avez assumé de hautes fonctions au service de votre pays, le Nigeria, et avez une parfaite connaissance des Nations Unies. Je voudrais vous assurer du soutien total du Burkina Faso pour le succès de votre mandat. À Madame la Présidente sortante, l'histoire retiendra qu'en 74 ans d'existence de notre organisation, vous avez été la 4e femme élue présidente de l'Assemblée générale et la 2e en un demi-siècle. Au regard du travail remarquable que vous avez abattu et des résultats atteints, recevez ici, Madame, mes félicitations pour avoir relevé les défis majeurs liés au thème de la 73e session de notre organisation commune. Monsieur le Secrétaire général, permettez-moi de vous renouveler toute la reconnaissance et la gratitude du peuple burkinabé pour votre engagement personnel et celui du système des Nations Unies pour votre soutien à mon pays en ces moments difficiles. C'est l'occasion de vous renouveler mes encouragements dans la mise en œuvre courageuse des réformes entreprises et de vous féliciter pour votre rapport présenté le 24 juillet 2019 devant le Conseil de sécurité sur les activités du Bureau et du Sahel. La déclaration du président du Conseil de sécurité à l'issue de cette présentation augure de meilleures perspectives. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, cette année, notre 74e session se tient sous le thème, je cite, « Dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion ». Fin de citation. Le Burkina Faso se félicite du choix du thème au regard de sa pertinence et de son actualité. Car plus qu'une conviction, le multilatéralisme reste pour mon pays l'unique voie pour trouver les solutions aux grandes problématiques du monde. À ces défis, il faut ajouter la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le crime organisé et la cybercriminalité qu'aucun pays ne peut vaincre seul, quelle que soit sa puissance. Au regard de tous les acquis engrangés par les Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité, de la justice, des droits de l'homme, du développement et de la lutte contre le changement climatique avec l'accord de Paris, il nous faut impérativement travailler au renforcement du multilatéralisme et du rôle de l'ONU comme moyen de parvenir à des solutions communes aux problèmes de notre planète. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, s'il y a des phénomènes qui attristent notre monde aujourd'hui, ce sont bien le terrorisme et la pauvreté. Depuis janvier 2016, notre pays fait face à des attaques terroristes persistantes et d'une ampleur sans précédent, dont les impacts au plan humain, social et économique sont lourds de conséquences. L'escalade de la violence et l'insécurité ont provoqué une grave crise humanitaire, faisant de nombreuses victimes civiles et au sein des forces de défense et de sécurité, des centaines de milliers de déplacés internes, des écoles et des infrastructures de santé fermées et des symboles de l'État détruit. La déstabilisation se poursuit à travers l'instrumentalisation des problèmes latents entre les communautés qui se muent en affrontements violents. Au plan des finances publiques, on peut constater l'augmentation des dépenses de sécurité au détriment des financements des secteurs sociaux et de développement. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'accompagnement des Nations Unies à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. En effet,
l'éligibilité du Burkina Faso au Fonds de consolidation de la paix annoncé par le secrétaire général de l'ONU a permis, suite à une mission interagence dirigée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et d'un groupe de travail d'urgence sous la conduite de la sous-secrétaire générale, d'ouvrir un des 5 centres régionaux des Nations Unies en dehors de la capitale pour être plus près des populations dans ces moments difficiles. Pour s'assurer que l'appui des partenaires internationaux est bien coordonné et aligné sur une stratégie convenue, globale et intégrée, qui établit le lien entre prévention, aide d'urgence, relèvement et développement, le gouvernement a demandé une mission d'évaluation de la prévention et de la consolidation de la paix de la BAD, de l'Union européenne et de la Banque mondiale qui s'est déroulée du 1er au 10 juillet 2019 et dont les recommandations sont en cours de mise en œuvre. En ce qui concerne la pauvreté, son élimination reste l'objectif premier des ODD, car selon les Nations Unies, des millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si cette tendance n'est pas inversée, plus de 168 millions d'enfants vivront dans l'extrême pauvreté. Plus que jamais, la communauté internationale doit intensifier la lutte pour l'éradication de la pauvreté qui reste la condition sine qua non pour un développement durable et inclusif. Ce combat ne pourra avoir d'effet que si nous assurons de manière efficace la coordination des actions multiformes dans le cadre de la troisième décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté 2018-2027 et de l'agenda 2030. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, la situation sécuritaire dans l'espace du G5 Sahel demeure toujours préoccupante. Au-delà du Burkina Faso et en ma qualité de président en exercice du G5 Sahel, je voudrais rappeler à la communauté internationale l'importance de soutenir les pays du G5 Sahel dans leur lutte déterminée contre le terrorisme et pour le développement. En effet, les actions des groupes armés terroristes sont en expansion géographique aussi bien à l'intérieur de nos pays qu'à l'extérieur de l'espace du G5 Sahel. Preuve suffisante qui illustre à souhait qu'il faut prendre des initiatives et des mesures urgentes. Dans ce sens, l'initiative d'Accra et le sommet de la CEDEAO tenu le 14 septembre dernier sur la sécurité dans l'espace ouest-africain sont à saluer. Ces initiatives indiquent bien que la lutte contre le terrorisme doit être régionale. À ce stade, je voudrais me féliciter de ce que le plaidoyer du G5 Sahel, bien soutenu par le secrétaire général devant le Conseil de sécurité, ait trouvé un écho favorable à travers l'adoption de la résolution 2480 sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Par cette résolution, la MINUSMA apportera un soutien à tous les bataillons opérant dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel sous la condition que cette dernière ou d'autres partenaires prennent la responsabilité de l'acheminement de l'aide dans les zones d'opération au-delà du territoire malien. Lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme à Ouagadougou, les chefs d'État ont fait le constat du caractère inopérant de la MINUSMA à faire face au terrorisme au Mali en raison des limites du mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité. Il apparaît inconcevable qu'avec 12 000 hommes et des moyens substantiels, cette force ne puisse pas contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme dans ce pays. C'est pourquoi, à l'instar de mes pairs de la CEDEAO et à ma qualité de président en exercice du G5 Sahel, je lance un appel pour un mandat plus robuste et plus offensif en faveur de la MINUSMA. Un tel mandat devrait permettre de sécuriser et de stabiliser davantage le Mali et partant tous les autres pays du G5 Sahel. De même, nous appelons le Conseil de sécurité à accorder un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies à la force conjointe du G5 Sahel afin de lui assurer des ressources permanentes. Avec l'Allemagne et la France,
Nous avons proposé, lors du sommet de Biarritz des pays du G7, la mise en place d'un partenariat international en faveur de la stabilité et de la sécurité au Sahel qui intègre les questions de lutte contre le terrorisme et le développement. Je voudrais appeler ici tous les partenaires à adhérer sans réserve à cette initiative, car la paix et la stabilité du Sahel sont aussi celles de l'Afrique et du reste du monde. Monsieur le Président, je voudrais saisir l'occasion pour réitérer la reconnaissance des peuples et des gouvernements de mon pays et de ceux du G5 Sahel à l'ensemble du système des Nations Unies et de tous nos partenaires pour le soutien et l'accompagnement dont ils bénéficient depuis le début de la crise sécuritaire et humanitaire. Je renouvelle mon appel à la solidarité bilatérale et internationale afin de doter la force conjointe du G5 Sahel d'équipements et de ressources financières prévisibles et pérennes, indispensables à son bon fonctionnement afin de favoriser la réalisation de nos programmes de développement nationaux et régionaux à travers le programme d'investissement prioritaire. Les deux piliers, sécurité et développement, sont nécessaires pour la stabilité de la région. Dans le même sens, les pays du G5 Sahel ont adopté le 13 septembre dernier l'initiative Desert to Power, de concert avec la Banque africaine de développement, qui vise à exploiter l'énergie solaire pour fournir de l'électricité à plus de 60 millions de personnes d'ici 2030, créer des emplois et permettre des applications dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les chefs de délégation, en dépit de la situation qui prévaut dans mon pays, mon gouvernement poursuit la mise en œuvre de son programme dans le sens de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, du renforcement de la démocratie et de la consolidation de l'état de droit. En effet, la consolidation de la reprise économique, la lutte contre le chômage, l'autonomisation des jeunes et des femmes, les initiatives en faveur des personnes vulnérables et la promotion de la bonne gouvernance sont au centre de notre action. De même, dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales, mais aussi pour un développement harmonieux de tout le pays, deux instruments de réduction des disparités régionales et de dynamisation des économies locales ont été mis en œuvre à travers le programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso, élargi désormais aux 5 régions touchées par l'extrémisme violent et le programme d'appui au développement des économies locales. Au plan de la gouvernance démocratique, j'ai convié la majorité et l'opposition politique à un dialogue politique du 15 au 22 juillet dernier. Ce dialogue a été positif et nous a permis de faire des avancées qu'il convient de consolider par la prise des textes réglementaires et législatifs y afférents. Monsieur le Président, en matière de lutte contre le changement climatique, je voudrais tout d'abord saluer la tenue hier du sommet Action Climat, dont le format a permis de faire des propositions concrètes. Je voudrais aussi saluer le succès de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification tenue en Inde il y a seulement quelques jours et rappeler combien il existe un lien évident entre la désertification et le changement climatique. Les pays du Sahel l'ont bien compris, eux qui ont créé, dès 1973, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Au Burkina Faso, les changements climatiques entraînent des déplacements de population et exacerbent les conflits entre éleveurs et agriculteurs du fait des pénuries d'eau et de la raréfaction des surfaces cultivables et de pâturages. C'est pourquoi, dans le cadre de la prévention de la lutte contre les impacts du changement climatique, mon gouvernement a pris d'importantes initiatives, dont un plan quinquennal de réforestation, une loi pour réduire les effets des catastrophes et des crises humanitaires et un plan national 2016-2020 pour la réduction des risques et la préparation à la réponse aux urgences. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les chefs de délégation, en dépit du contexte sécuritaire difficile, le Burkina Faso a continué à assumer ses obligations internationales
en apportant son soutien aux Nations Unies pour aider d'autres pays frères à recouvrer la paix. Ainsi, le Burkina Faso, qui compte parmi les grands contributeurs de troupes dans les missions de maintien de paix, est présent au Mali et au Darfour. En Guinée-Bissau, nos troupes participent dans le cadre de la force ECOMIG mise en place par la CEDEAO, qui a permis d'assurer une certaine stabilité à ce pays frère, permettant pour la première fois qu'un président de la République achève son mandat. Par ailleurs, des efforts sont faits pour accroître la contribution des femmes, pour tenir compte du genre dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, au moment où nous sommes réunis, l'actualité internationale reste marquée par des tensions et des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Si nous sommes tous présents à chaque session de l'Assemblée générale, c'est parce que nous croyons à la capacité de l'ONU, symbole par excellence du multilatéralisme et de la diplomatie, de trouver des solutions pérennes aux défis majeurs qui nous accablent, mais aussi aux différentes crises dans plusieurs régions du monde. Je voudrais rappeler que la persistance de la crise sécuritaire dans l'espace des pays du G5 Sahel est la conséquence directe de la déstructuration de l'État libyen. J'interpelle donc la communauté internationale à se mobiliser pour trouver une solution de paix durable dans ce pays, car le règlement de la crise sécuritaire dans nos pays passe par la paix en Libye. À ce sujet, le Burkina Faso salue la médiation des Nations Unies et recommande fortement une implication de l'Union africaine en espérant que leurs efforts conjoints permettent de résoudre la crise libyenne. Conformément au point de vue partagé au sein du G5 Sahel et aux conclusions pertinentes du récent sommet extraordinaire de la CEDEAO à Ouagadougou, j'appelle le Conseil de sécurité à nommer un envoyé spécial conjoint ONU-Union africaine doté de bonnes connaissances de la situation libyenne. Sur la question du Sahara occidental, le Burkina Faso réitère son soutien au processus politique en cours mené sous les auspices exclusifs du secrétaire général des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et négociée aux différents tels que recommandés par le Conseil de sécurité depuis 2007, y compris par sa résolution 2468 adoptée le 30 avril 2019. Le Burkina Faso se félicite de la tenue effective de deux tables rondes entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Polisario, conformément aux résolutions 2414 et 2440 du Conseil de sécurité. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer ici le travail abattu par l'ancien envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies durant son mandat. Au regard du caractère régional du différend, le Burkina Faso appelle tous les États de la région à porter leur contribution au processus politique et à renforcer leur participation au processus de négociation. Au Moyen-Orient, la question palestinienne reste une préoccupation majeure dans le conflit israélo-palestinien et le Burkina Faso réitère son soutien à la solution des deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix et en bon voisinage. Le Burkina Faso condamne fermement les agressions et attaques répétées contre l'Arabie Saoudite et ses installations pétrolières. D'où qu'elles viennent, ces attaques constituent des menaces graves pour la paix en Arabie Saoudite et pour l'ensemble de la région. C'est pourquoi nous appelons solennellement à la cessation de ces actes d'hostilité. En ce qui concerne le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d'Amérique, le Burkina Faso estime qu'il mérite d'être levé au regard des nombreux préjudices que subissent le peuple cubain depuis de nombreuses années. Monsieur le Président, distingué délégué, la paix et la sécurité internationale sont menacées du fait de l'escalade des armements. C'est pourquoi le Burkina Faso appuie toutes les initiatives et les actions multilatérales en vue de parvenir au désarmement, tant au niveau des armes de destruction massive que de celles conventionnelles. Aujourd'hui plus qu'hier, la preuve est faite que la prolifération des armes légères et de petit calibre constitue une menace à la paix
et à la sécurité internationale. Dans diverses régions du monde, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel, est un frein à l'atteinte des objectifs de développement durable. Aussi, j'exhorte les États à allouer les ressources dégagées par les programmes de désarmement au financement des ODD, à l'aide publique au développement et au fonds vert. C'est à ce prix que nous offrirons aux milieux de personnes défavorisées de meilleures perspectives. Monsieur le Président, distingué délégué, hier nous avons tenu le sommet Action Climat et la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle. Et les jours qui viennent, nous allons tenir des réunions de haut niveau sur le développement durable et le financement du développement. Nous formulons l'espoir que toutes ces initiatives nous permettent de parvenir à la création d'une dynamique et d'un soutien politique à tous les niveaux, au renforcement de l'engagement avec le secteur privé, afin de tirer le meilleur parti des solutions innovantes pour financer les ODD. À ce propos, nous félicitons le secrétaire général pour le lancement de l'Alliance mondiale des investisseurs pour le développement intervenu hier 23 septembre 2019. Ce pool, qui sera composé de 25 à 30 PDG de grandes entreprises du monde entier, censé exploiter leurs connaissances pour inciter davantage d'investissements à long terme pour le développement durable, vient comme une lueur d'espoir au moment où les financements se font de plus en plus rares. Comme tous les pays, c'est avec l'attention requise que le Burkina Faso suit les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité, mais aussi les questions touchant à la revitalisation de l'Assemblée générale, aux partenaires avec les organisations régionales et sous-régionales. Sur la réforme et à la veille de la commémoration des 75 ans de notre organisation sur le thème, je cite, « L'avenir que nous voulons, les Nations Unies dont nous avons besoin. Réaffirmer l'engagement collectif au multilatéralisme. » Fin de citation. Le Burkina Faso nourrit l'espoir qu'enfin les négociations entamées il y a plus d'une vingtaine d'années aboutissent à la réforme que nous attendons de tous nos voeux, celle qui doit aboutir à un Conseil de sécurité plus représentatif des 193 États membres des Nations Unies dans les deux catégories de membres, avec tous les privilèges et les obligations qui y sont liés. C'est le lieu pour moi de renouveler la totale adhésion du Burkina Faso à la position commune africaine, telle que reflétée par le consensus des Zulwini et la déclaration de Sirte. En commémorant le 24 avril 2019, la première journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix, les Nations Unies réaffirment l'importance du multilatéralisme et achèvent de convaincre que dans notre monde d'aujourd'hui, les défis globaux se préparent et se gagnent ensemble. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the FASO and President of the Council of Ministers of Burkina Faso for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the Head of State.